Sur place, on peut comprendre l'état d'esprit de la famille Valide. Il suffit de voir un peu les conséquences de ces fortes pluies, toute cette terre qui est partie sous la maison. Regardez bien votre travail, hein. Kaila même qui a été en anti-bout. Et puis c'est toute terre qui dégringolait. Donc aujourd'hui, on peut comprendre que cette famille se sent réellement en danger. Les nuits à venir s'annoncent difficiles pour les occupants de cette maison située sur les hauteurs de Roche-Carrie. Depuis les dernières pluies, Madame Valide, son fils et l'une de ses sœurs handicapées ont vraiment de quoi se sentir en insécurité. Mon fils me dit « Maman, mais derrière là !»